Bokeh tov, les poulains, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée. Aujourd'hui, nous sommes le 17 Tamouz et nous allons étudier notre petite partie de Tania du jour, celle que le Admor HaZaken nous a donnée à travers son livre du Tania, celle qui correspond au cinquième chapitre de Igeret HaTeshuva, cette lettre-là de la Teshuva. Une lettre de Teshuva pour nous rappeler que l'on doit faire Teshuva et vivre cette Teshuva au point de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de se lier à Hachem, à notre Dieu, et puis surtout essayer de faire en sorte de ne plus jamais retomber vers ces fautes-là qui nous ont causé ce détachement-là, cet éloignement avec Akadosh Baruch. Dans le chapitre précédent, le quatrième chapitre, le Rabbeinu HaZaken, le Admor HaZaken, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, nous a expliqué que la Neshama du Juif, c'est une parcelle divine. Oui, non seulement c'est une parcelle divine, mais c'est une parcelle et une partie du nom de Havaïe, Yud Ke Vav Ke. Elle fait partie, une partie intégrante du nom de Dieu. Elle vient de la partie profonde de la divinité qui est et qui se vit, qui est transcendée par le nom de Havaïa, Yud Ke Vav Ke. Et non pas comme toutes les autres créatures qui proviennent, elles, du nom de Elohim. On sait que Akadosh Baruch Hu, Dieu, a différentes facettes de révélation, il a différents noms, et toutes ces appellations ont une fonction particulière bien définie. Et puis, les créatures en général proviennent du nom de Elohim, et la Neshama de l'homme juif, elle, provient de la partie la plus profonde de Dieu, et donc du Shem Havaya Yud Ke Vav Ke. Toutes les autres créatures proviennent de la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est extérieure. Mais afin que la Neshama, elle, puisse s'habiller, cette âme-là puisse s'habiller dans un corps si étroit, dans ce corps, dans ce monde ici, alors il a fallu qu'elle descende, qu'elle chute, une chute vertigineuse de niveau en niveau, afin de s'habiller ici-bas, chez l'homme, en l'homme, dans ce monde matériel. Elle a subi donc tout ce système d'enchaînement et de chute de niveau en niveau, et tout cela grâce à la parole. Nous avons parlé de cette parole qui est l'expression même de ce qu'il y a dans les profondeurs de l'âme, de ce qu'il y a dans la profondeur de l'intention même de la création lorsque Dieu crée. Cette parole qui est d'en haut, qui vient d'en haut, lorsque Dieu dit « Naaseh Adam, faisons un homme, créons cet homme-là »,
Dès l'instant où Dieu prononce ces mots-là, il est en train de donner la possibilité d'existence à cette âme-là et à cet homme-là. Donc la Neshama, elle aussi a vécu et elle a subi quelque part ce processus de niveau en niveau, de chute de niveau en niveau, de descente de niveau en niveau, et tout cela grâce à la parole d'en haut. Mais quand elle vient de la parole d'en haut, elle vient de la partie la plus profonde et non pas comme les autres créatures, comme nous l'avons dit. C'est la raison pour laquelle, au sujet de la Milady, « Vaipar be'apav nishmat chaim » Dieu a insufflé un souffle de vie en lui, en l'homme. C'est-à-dire qu'il a utilisé la partie la plus profonde de son être, celle qui provient des profondeurs de son âme, de son cœur, de son corps, de son esprit. La partie la plus profonde, la partie la plus essentielle. Quand nous disons « Vaipar », on est en train de dire que ça vient de la partie la plus profonde, comme nous le disons très bien dans la Kabbalah, Mandenafar Mitochenafar, celui qui souffle, il souffle de sa partie la plus profonde. Qu'est-ce que cela veut dire? Mitochyuto ou Mipnimiyuto, de sa partie la plus profonde, la plus essentielle et la plus véridique. Puisque la Neshama, elle, puisque l'âme, c'est une parcelle non seulement divine, mais de la parole d'Akadosh Baruch Hu, mais également du nom de Yudke Vavke et non pas du nom d'Elohim, c'est la raison pour laquelle il y a en elle, dans cette Neshama-là, les 10 forces, ce que l'on appelle les 10 forces de l'âme, et qui correspondent aux 10 séphirot par lesquelles Dieu lui-même a créé le monde et a créé l'âme, précisément. Dans notre chapitre, à nous, le Admor HaZaken, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, va nous expliquer que, également, dans cette Neshama-là qu'il y a ici-bas, qui a été créée par cette parole de Dieu, et on sait que la parole, par définition, c'est l'extériorisation, la partie superficielle, en quelque sorte. C'est celle qui révèle ce qu'il y a à l'intérieur. La parole, elle est là comme un mode d'expression. Mais on va essayer de comprendre de quel niveau de la parole la Neshama vient. Alors, nous l'avons dit, la parole qui crée la Neshama, c'est une parole profonde, intérieure. Ça, c'est le souffle, le souffle. Et non pas comme les autres créatures, comme par exemple les anges, qui, eux, proviennent de la partie superficielle de la parole. Oui, parce que de façon à ce que la partie la plus profonde de l'âme, mais également la partie la plus extérieure de l'âme, elle vient précisément de la partie la plus profonde du niveau du haut, c'est-à-dire du niveau de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que la partie profonde de l'âme, elle provient de la partie profonde du nom de Havaïe, Yud-Kevav-Ke. Et la partie la plus extérieure de l'âme, elle vient de la partie la plus profonde de la parole qui est en haut. La parole est la partie la plus profonde, la partie extérieure et la partie intérieure. Regardons dans les mots ce que l'Admor HaZaken nous dit ici, et on développera un sujet. Ensuite, du Derech Chaim du Admor HaEmtzei, le fils du Admor HaZaken, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, qui nous apprend et qui nous aide à faire Teshuvah, à dévoiler et à découvrir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et de notre esprit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous devons faire Teshuvah? Comment nous devons faire Teshuvah pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour retourner vers Dieu? Cette chute-là, cette descente-là de l'âme divine dans ce monde-là, ici-bas, afin de s'habiller dans un corps, dans le corps de l'homme, comme nous l'avons dit, ça vient de la parole d'en haut, vient et provient des mots qui ont été prononcés par Dieu quand il dit « Naase Adam, faisons un homme ». Elle provient du niveau intérieur et la source même de la parole. Ou Evel Aelion, c'est le souffle supérieur, suprême. Amerumas Beot et Tata'a, qui est mis en allusion dans le dernier E du nom de Havaïe, Yud Ke Vav Ke. E, le dernier. La dernière lettre du nom d'Havaïa, Kanis Karlel, comme nous l'avons expliqué plus haut, et qui est en rapport avec le souffle, Hevel. Au Kimashakatu, Vaipar, Ve'apav, Nishmat, Chaim, Ve'adam, Nefesh, Chaya, comme il est écrit dans le Chumash Bereshit, que Dieu a insufflé en l'homme une âme, l'âme de vie. Et l'homme est devenu ce que l'on appelle une Nefesh, Chaya, une âme vivante. Akadosh Baruch Hu a insufflé cette âme dans son corps. C'est le sens même du mot Vayehi, Ha'adam, Nefesh, Chaya. Une âme dans un corps. Il a insufflé une âme de vie et il a fait en sorte que tout cela se passe à travers un souffle qui a été insufflé.
Ouman denafar, nous l'avons dit, celui qui souffle, il souffle de sa partie la plus intérieure. Donc on voit que l'aneshama, lorsqu'elle descend dans le corps, c'est-à-dire la partie extérieure de l'aneshama, elle est aussi vécue d'une manière profonde et intérieure. Mais là, nous parlons de la partie la plus profonde de quoi ? De la parole. Il y a la partie la plus profonde de Dieu et il y a la partie la plus profonde de la parole de Dieu. Et ça n'est pas pareil. La partie la plus profonde de la parole, c'est-à-dire que c'est la partie profonde qu'il y a dans l'extérieur, dans la partie superficielle et extérieure. Donc dans la partie extérieure de Dieu, puisque c'est la parole, et la parole c'est le mode d'expression, c'est l'extériorisation de ce que Dieu est, dans cette extériorisation, il y a une partie profonde, une partie extérieure. Et là, dans la parole de Naaseh Adam, il y a la partie la plus profonde de la parole de Dieu qui se révèle. Et ce n'est pas comme la partie la plus profonde de l'âme elle-même qui provient de la partie la plus profonde de Dieu, qui est au-dessus même de la parole. Rappelons-nous que la parole n'est juste un moyen d'expression, d'extériorisation. Ce n'est pas la parole elle-même qui correspond à ce que la Neshama est. C'est une façon et une forme d'expression, d'extériorisation. Vézéhou Shekatouv, et c'est ce qui est écrit dans le texte, qui chelek Hashem Amo. Dans la parasha Ta'azinu, il est dit comme ça, Chumash Devarim. Le peuple juif, c'est une partie réelle d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Yaakov, qui représente tout le Ham Israël, révèle Nachalato. C'est ce révèle-là. Qu'est-ce que ça veut dire ce révèle ? Révèle, c'est une corde. C'est ce qui le relie. Il y a dans la Neshama, dans l'homme, deux niveaux. Être une partie de Dieu, c'est-à-dire réellement la partie la plus profonde de la Neshama, et un deuxième niveau qui est révèle Nachalato, qui correspond à la partie extérieure de l'âme. Pirouche. Pourquoi dire révèle ? Explication. Quel mot révèle ? Le rabbi Schneur Zalman de Liadi nous explique, il nous dit, c'est un petit peu comme une... C'est pas un petit peu, c'est comme une corde. Al-Derech, machal. Shirosho echad kashon ema'ala vekatseon emata. L'extrémité première de la corde le relie à ce qu'il y a de plus haut et l'extrémité basse la relie à ce qu'il y a de plus bas. Et la neshama, c'est pareil. La partie la plus extérieure est suprême et supérieure, elle, de la neshama, elle est reliée avec la partie la plus haute de Dieu, et la partie la plus basse la relie avec ce qu'on appelle le corps, la partie la plus basse qu'il y a. Il faut savoir que l'explication même du texte est de comprendre ce qu'il y est dit ici, dans ce texte-là, qui inepshat akatouv machekatouv, comprendre le sens simple de ce qui a été écrit au sujet de la neshama, va y par, il a insufflé où les horot l'anou, c'est là pour nous enseigner. Lorsqu'un homme souffle vers un endroit, s'il y a un élément physique qui est là et qui fait barrage, qui bloque, qui est entre le souffle de l'homme et l'endroit vers lequel l'homme souhaite souffler. Lorsqu'il y a un petit barrage, n'importe quel élément qui bloque le souffle, alors le souffle ne pourra pas atteindre son objectif. Il n'atteindra pas son objectif parce qu'il y a un élément extérieur physique qui bloque ce souffle-là. Kachamamash, il se passe ainsi également. S'il y a un élément qui bloque et qui fait barrage entre le corps de l'homme et le niveau du souffle supérieur qu'il y a, c'est-à-dire le souffle de Dieu, alors le souffle de Dieu ne pourra pas atteindre ce corps-là, réellement. Qu'est-ce qui va bloquer ce souffle de Dieu-là ? La vérité, c'est que le souffle de Dieu, il est au-dessus même de toute contingence matérielle et toute forme physique. Donc, quel élément qui pourrait bloquer une force, un souffle qui viendrait de Dieu lui-même ? Le texte nous le dit ici comme ça, et le Admor HaZaken nous l'explique. Il nous dit, « Ach be'emet, véritablement ». Il n'y a aucun élément matériel ou spirituel qui pourrait bloquer Akadosh Baruch Hu, le souffle de Dieu. Qui, car nous le savons, Halo et Hashemaim, Vehet Haaretz Animale, n'est-ce pas, le ciel et la terre, je remplis. Umelo Kol Haaretz Kevodo, Akadosh Baruch Hu remplit la terre de son kavod, de son honneur. Veletatar Panoimine, il n'y a pas un seul endroit qui soit libre de lui, qui soit vide de lui.
tout est lui, tout est Dieu. Vachamayim ma'al, ve'ala aretz mitachatenod, que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Ve'yu me'mal et kol almim, mais nous lisons également, Dieu, il remplit toute la terre. Dieu, lui, c'est lui qui remplit chaque monde. Donc on voit bien ici qu'Akadosh Baruch Hu, il se trouve dans chaque endroit, et il se trouve dans chaque chose, dans chaque élément du monde. Donc on ne pourrait pas dire qu'il y aurait un seul élément physique, matériel ou même spirituel qui sera en mesure de faire barrage et de bloquer le souffle de Dieu. Puisque Dieu est justement cet élément qui pourrait faire barrage. Dieu, il est au-dessus de tout, il est en tout, avant, pendant et après. Comment dire que, comme dans l'exemple du souffle, d'un homme qui soufflerait et qui aurait un objet qui bloquerait ce souffle et qui ne permettrait pas à ce souffle d'atteindre son objectif, sa cible. Comment dire que cela se passe de la même manière avec Akadosh Baruch Hu. Et là, Kemosh Katov b'Yishaya, il est dit comme ça dans Yishaya, ki im avonotechem ayum avdilim beinechem levein elokechem. Il y a un élément qui est capable de nous séparer, de stopper le lien qu'il y a entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une seule chose, c'est les fautes, les avonot. Les fautes qu'un homme il peut commettre, c'est ce qui le sépare et qui fait que qu'il y ait une séparation, une différence, une coupure quelque part, un écran qui se crée entre Akadosh Baruch Hu et l'homme, les avonot, les péchés. C'est Yishaïa lui-même qui le dit, ce prophète. Véatam, et l'explication, elle est donnée. Pourquoi est-ce que les fautes ont la possibilité, elles, de créer un écran et un barrage entre la Neshama, entre l'âme et la divinité et Dieu? Les fiches M, Neged Retson Aylion Baruch Hu Amechayet Hakol. Parce que puisque tout est géré et tout a été créé, tout est vitalisé et revitalisé à chaque instant de la vie par Dieu lui-même, alors, et que ces fautes-là, en fait, elles sont l'inverse de la volonté supérieure et suprême de Dieu, donc à chaque fois qu'un homme il commet une faute, il est en train de créer un barrage. Puisque la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de faire vivre chaque élément. Et que nous, on se comporte à l'inverse de sa volonté. Au moment où on se comporte à l'inverse de sa volonté, qui, elle, est quoi? De faire vivre chaque chose. Eh bien, on est en train de créer un barrage, un écran. Et Moshe Katouf, comme il est dit, « Kol asher chafetz Hashem asa, bashamayim uvaretz. » Tout ce que Dieu a désiré et a souhaité, il l'a fait dans le ciel ou sur terre. Tout. Depuis le ciel jusqu'à la terre, tout a été créé par la volonté d'Hachem, réellement la volonté, de manière directe. Tout a été créé par cette volonté d'Hachem. Alors vous souvenez, hier nous avons parlé du Yud, Ké, Vav, Ké, de chaque lettre qu'il y a dans le nom de Dieu. Et que chaque lettre correspond, dans sa façon d'être écrite, elle correspond à un mouvement de révélation et d'émanation et d'influence de la divinité sur terre. On l'a expliqué dans le chapitre 4, chez où que la volonté suprême d'Akadosh Baruch Hu, Mekor Ashpaat Shem Havaya, c'est la source de l'influence du nom de Havaye, Yed Kev Avke. Veinirmaz Vekutso Shel Yud. Il est mis en allusion dans le petit point qu'il y a dans la lettre Yud. Ce petit point qui correspond à la sagesse qui naît. Et puisque le nom de Dieu, Yud Kev Avke, c'est la source d'influence pour toutes les créatures, donc ça va à l'inverse et à l'encontre de la source même de l'influence qu'il pourrait y avoir et qui est créée par les fautes. La faute, elle est contraire à la vitalité divine et elle le recouvre. Il en ressort donc que toutes les fautes sont là pour recouvrir et elles ne donnent pas à la vitalité divine réellement la possibilité d'exister et d'aller et d'arriver jusqu'au corps de l'homme. Même si cette vitalité-là existe, elle ne peut pas arriver jusqu'au corps de l'homme. Parce que, par définition, la faute, le péché, l'égarement, c'est l'inverse même de la vitalité divine. Et donc, il recouvre cette vitalité, il ne lui permet pas de s'exprimer. Mais où il y a la carette, ce qu'on appelle le carette, être retranché, c'est quoi? La faute que l'on commet, elle peut causer quoi? Carette. Et qu'est-ce que c'est le carette? C'est être retranché. Mais le mot carette veut nous dire nichrat, nichrat, c'est-à-dire couper, nifsak, séparer. Cette corde-là dont il était question au début du chapitre, qui fait référence au lien qu'il y a à l'extrémité supérieure avec Dieu et à l'extrémité inférieure chez l'homme, en l'homme, à travers son âme et ses actes, et son corps d'ailleurs. Eh bien, lorsque cette corde-là, elle n'est pas
tenu comme il faut, et qu'il y a des fautes qui s'immiscient dans ce lien et ce rapport et ce contact qu'il y a entre Dieu et l'homme, eh bien, c'est un petit peu une corde qui est coupée, qui perd à chaque fois de sa force et de son authenticité. Cette corde-là, elle est coupée. Pourquoi ? Parce que ce qui était relié à quoi ? Au nom d'Avayé ou Yudke Vavke, du Saint béni soit-il, Shenim Shecham Etata, qui provient de la dernière lettre du nom d'Avayé Yudke Vavke, Kaniska Aliel, comme il est dit plus loin, alors il y a à ce moment-là un détachement qui se crée. Areche Eina Neshama Shebagouf, la Neshama qu'il y a dans le corps, ne reçoit pas la vitalité à ce moment-là du nom d'Avayé. Au moment où la vitalité de l'homme, elle est dans la sainteté seulement, et bien à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que cette vitalité va amener l'inverse, puisque cette vitalité, elle est constante. La vitalité est toujours présente, que ce soit quand l'homme accomplit quelque chose de bien ou quelque chose de négatif. Lorsque l'homme accomplit quelque chose de négatif, et bien à ce moment-là, il est en train de créer l'inverse même de la fonction dans laquelle il a été créé, de pourquoi il a été créé, et donc il crée une forme de mort et de détachement de cette vitalité divine, puisque la vitalité n'aura pas été utilisée à bon escient, c'est-à-dire pour de la sanctification et de la sainteté. Ok, Moshe Katou, Parashat est mort, comme il est dit dans la Parashat est mort. Venireta hanefeshaim elefanai ani Hashem. Le sens même et le sujet même du karet, c'est être détaché, coupé du nom de Havaïe, du nom de Dieu. Venireta hanefeshaim elefanai ani Hashem. Et cette nefesh, cette âme-là, se détachera, elle sera coupée, elle sera détachée complètement de ce que je suis moi, je suis Dieu. Pourquoi le texte dit milefanai, de devant moi? Pourquoi? Alors, on précise ici que quand on dit milefanai, ça veut dire de moi. Le sens de ce détachement-là, c'est un détachement en réalité qui veut dire qu'au moment où tu fautes, tu te détaches de la partie la plus profonde et la plus intérieure de Dieu lui-même. C'est-à-dire du nom de Havaïe, Yudke, Vavke. Wishar Averot, Shein, Ben, Karet. Mettons toutes les autres fautes qui, elles, ne sont pas punies par ce que l'on appelle le Karet. De toute façon, il faudrait toujours savoir être conscient qu'on abîme l'aneshama, on abîme l'âme au moment où l'on faute, et ça on peut le comprendre très bien. Kanoda, comme on sait que, ou le pgam ou il a shon pegimat asakin. Pegimat asakin, vous savez, c'est comme par exemple un couteau de shérita. Le couteau de shérita, lui, doit être tout à fait lisse. Lorsque le shochet passe son ongle sur la lame, cette lame-là ne doit pas ressentir aucune accroche, aucun petit creux. C'est très très fin, c'est très raffiné. Il faut faire très 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 attention à cette perfection-là de la lame. C'est ce qui va faire en sorte que ce couteau soit permis et qui permettra de faire une bonne shérita, kshira, comme il faut. Bien, l'âme de l'homme, c'est pareil. Elle doit être lisse. Le contact de l'âme de l'homme avec Dieu ne doit pas être abîmé. Il ne doit pas être abîmé par des petites encorches ou des petits défauts qui viennent s'installer, des petites poussières. C'est quoi ? C'est ces égarements qu'il y a dans les différentes mitzvot ou les différentes averot que l'on n'a pas commis, les différentes mitzvot qu'on n'aurait pas commis, ou les différentes averot, les égarements, ou les péchés, les fautes que l'on commet, qui créent, encore une fois, ces petits défauts-là dans cette âme-là. Et ce qui nous relie à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qui va permettre, en réalité, de créer un manque dans le lien qu'il y a dans le nom de Havaïe, c'est-à-dire Yudke Vavke, et l'âme de l'homme. Comme le Rabbi Shneur Zalman de Liadi l'explique un petit peu plus loin. Vehu al derech mashal mechevel av shazur mitariag chavalim dakin. Cela correspond à une corde épaisse qui serait constituée de 613 petits fils, et en réalité, kacha chevel. Cette corde-là, qui provient du nom d'Avaïe Yudke Vavke, elle comprend et elle inclut les 613 mitzvot. Chaque mitzvah, c'est une petite corde de cette corde-là. Comme une corde qui est constituée de différents fils, il y en aurait 613. Lorsque l'on transgresse, chas v'shalom, que Dieu ne plaise, une seule de ces 613 mitzvot, 613 commandements, Nifsak révèle à Dak, la petite corde, le petit filet de cette corde-là,
qui fait partie de tous les autres filets, lui, il va se détacher, il va se couper. Et lorsqu'il y a encore et encore, encore un petit filet, et encore un petit filet qui se détache, alors à ce moment-là, ça, on l'imagine, entraîne l'affaiblissement de toute la corde, de tout le lien qu'il y a. Alors que quand il y aura, et quand il y a un karet, c'est-à-dire quand il y a une avéra très grave qui est commise, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Cette avéra-là a fait qu'il y ait une coupure et un détachement total de la corde. Et là, ça, c'est très grave, puisque quand la corde se coupe complètement, le lien disparaît. Quand on fait une petite faute, ce qu'on appelle une petite, ça veut dire tous les égarements, chaque petite faute, eh bien, on coupe, on détache ce petit fil-là dont est constituée cette grande corde-là. Petit à petit, plus il y aura d'égarements, et plus on va créer ce que l'on ne désire pas du tout créer, à savoir le lien, le véritable lien qui se détache, un affaiblissement du lien qu'il y a avec Dieu. Et il y a plus grave, c'est le karet. Quand c'est une véritable faute qui est là, entraîne un karet, un retranchement véritable, une coupure véritable, là ça devient très compliqué. Mais là, le Admor HaZaken veut nous dire, quand même, il faut quand même savoir que Argam Bechayav Karet Umitan Isharadain Boareshimu Minavshua Elokit. Même lorsqu'un homme a commis le plus grave, l'infâme, eh bien, il doit savoir qu'il reste toujours une trace du lien que nous avons avec Dieu, qui est là et qui vit à travers son âme divine. Ve'aliedeze, yachol lichyot ad nun o samer shana velo yoter. Et par cela, cette trace-là qu'il y a dans son âme divine, il va pouvoir vivre, continuer à vivre, même s'il a été détaché à un moment véritablement de Dieu, jusqu'à 50 ou 60 ans. Veloyoter, mais pas plus. Ma shekatuv beshem Arizal, she nichnesabo bechinat makif vechule. On précise ici entre parenthèses et ce que le Arizal, ce maître de la Kabbalah, nous dit, qu'au moment où l'homme fait la faute, il fait rentrer en réalité en lui cette mort céleste là, ce détachement bechinat makif vechule. C'est-à-dire que c'est présent et bien qu'il ne peut pas recevoir une vitalité profonde. Parce que sa neshama, son âme, elle s'est détachée de sa racine, elle s'est détachée de sa source à travers sa faute, il peut quand même recevoir une vitalité qui provient du niveau de makif, c'est-à-dire d'un niveau qui serait là et qui serait là extérieur et qui recouvre cette force-là profonde du nom d'Avayé. Il va recevoir quelque chose quand même. Cette vitalité-là, elle est là et elle lui permet d'exister. Mais Enoinyan Echaye Gashmiut Aguf, ça n'est pas là pour lui apporter de la vie physique, mais de la vie spirituelle. Quand on sait, nous parlons ici de 50 ans ou 60 ans, pour entrer dans les chiffres, au Maïri Adnun Shana, on parle dans le cas où il y a encore cette trace-là de l'âme divine qui est là, et c'est la raison pour laquelle, et c'est la cause, et c'est ce qui lui permet d'ailleurs de continuer de vivre de manière corporelle, de manière physique. Véritablement, ou comme à notre époque. C'est-à-dire qu'à notre époque ici, comme nous voyons que la vitalité du juif, elle est là et elle vient parce qu'il s'habille et qu'il vit et qu'il amène sa vitalité dans tout ce qui est physique, en donnant, en apportant de la gdoucha, en sanctifiant, en élevant tous les éléments physiques et matériels avec lesquels il a un contact. Puisqu'on peut le savoir, à notre époque, on peut vivre tout en étant chayav karet, c'est-à-dire d'avoir commis des fautes qui pourraient être punies par une mort céleste, et vivre même plus que 50 ou 60 ans. Et là, la vitalité de la sainteté de Dieu, elle est obligatoirement présente dans la vie du juif, parce qu'il y aura toujours une connexion avec Dieu, peu importe les fautes qu'on aura commises. Là, ce que l'Admor HaZaken est en train de nous dire, c'est que les petites fautes comme les grandes fautes ont une conséquence considérable. Mais tout en ayant une conséquence considérable, on a la possibilité, on a quand même une force, une capacité, nous, de changement. On a la possibilité d'apporter quelque chose en se rappelant toujours qu'on a cette petite part divine là qui est en nous, qui est cette trace là qui nous relie à Kadosh Baruch Hu, qui fait que le changement n'est pas réel. Le changement n'est pas réel parce qu'on a la possibilité de le vivre vraiment. Comment ? En faisant teshuva. Parce que lorsque l'âme de l'homme elle a été impactée et influencée par les agissements du corps, cette âme-là va se relier, va retrouver son énergie dans sa source première, et quand elle va chercher au fond d'elle-même ce qui la relie
à travers ce souffle-là divin qui est en elle, qui arrive, et elle arrive à se relier, à se rattacher à Kadosh Baruch Hu. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une reconnexion qui se crée entre les deux. Ah, il faut le savoir, véritablement, le Admor HaEmtsai, le fils de Rabbi Shimon Zalman de Liadi, nous le dit dans ce livre-là du Derech Chaim, il nous l'explique. Il nous dit que, qu'est-ce que cela veut dire faire teshuva? Faire teshuva, c'est retourner, rentrer vers Kadosh Baruch Hu, retourner vers Dieu. L'essentiel même du commandement de teshuva, de la mitzvah de teshuva, ça n'est pas uniquement considéré comme un travail et un effort qui doit venir seulement de la part de la neshama qu'il y a dans le corps. L'essentiel de la teshuva, comme il est dit, ve'aruach tashuv, c'est un retour d'un éloignement véritable. Retourner vers notre source première. C'est un petit peu comme la mitzvah de Hashavat Aveda. Hashavat Aveda, c'est un commandement qui nous est donné dans la Torah, qui incombe l'homme à rapporter un objet qu'il aurait trouvé et qui appartiendrait à quelqu'un, à une personne. Cette mitzvah-là de ramener un objet que l'on a trouvé et qui aurait été perdu, c'est un petit peu l'idée de la neshama qui se détache de Dieu lorsqu'elle accomplit une avéra. Qu'est-ce que cela veut dire? Retourner vers le pays que nous avons quitté, retourner vers une terre qui serait lointaine, cette mitzvah-là, de ramener ce qui a été perdu, elle ne concerne pas seulement celui qui a perdu, mais aussi celui qui trouve cette perte-là. Lorsque l'on voit quelqu'un qui s'est perdu, on a la mitzvah de le ramener lui aussi vers son propriétaire. Lorsqu'une neshama est perdue, lorsqu'une âme s'est égarée, nous avons la mitzvah, le commandement de la ramener vers Dieu. Pourquoi ? Un petit peu comme un homme qui se perd complètement. Un homme qui se perd et qui perd son âme et qui se sent détaché de sa source, cela crée une amertume en lui. Et cette amertume-là va éveiller en lui un sentiment de détachement et d'éloignement. Et il va retourner vers Dieu, de tout son cœur, de toute son âme. Il va le faire, il va retourner vers Dieu. Parce qu'au moment où il a fauté, il s'est détaché de deux façons d'Akadosh Baruch Hu. Il y a deux niveaux. Un, parce qu'il s'est détaché, il s'est éloigné de l'endroit dans lequel il se trouvait, lui, de sainteté. Et il s'est retrouvé dans l'inverse de la sainteté, à savoir dans l'impureté. Ce que l'on appelle les portes de l'impureté. Et plus il va ressentir de l'amertume, de la tristesse profonde pour la faute qu'il a détachée, justement, de sa source première, cela crée en deuxième plan un rapprochement, un désir de rapprochement vers Dieu. Plus j'ai de l'amertume, plus je suis conscient de l'éloignement que j'ai causé par mes fautes, et plus ça donne envie et ça crée un sentiment et une émotion de rapprochement qui sera beaucoup plus grande. Comme il est dit, Vishuvu El Hashem, et retournez vers Dieu. C'est un petit peu comme le souffle qui retourne vers Dieu. Oui, en fonction de l'éloignement, eh bien, le rapprochement sera plus grand. Le bon qu'il y a dans la vie, c'est donc cette teshuva, cette bonté-là, qui s'exprime à travers le retour vers Akadosh Baruch Hu. Alors, bien sûr qu'il y a deux formes de teshuva. La teshuva, c'est-à-dire le premier retour qui vient de ce retour-là, c'est-à-dire du détachement du mal, parce qu'il y a une sensation de séparation, de coupure et d'éloignement. Et le deuxième, c'est le niveau de teshuva vers Dieu. C'est le rapprochement, l'attachement, puisque tout est une seule chose. L'un dépend de l'autre. En fonction de l'éloignement, on pourra créer un rapprochement. Lorsque l'on veut partir d'un endroit pour aller d'un point A à un point B, plus on se détache et on s'éloigne du point A, plus on se rapproche du point B. Ce qui nous a fait séparer et nous couper de Dieu, c'est nos fautes. Plus on se détache d'une faute, plus on s'éloigne de la faute qui nous a éloignés de Dieu, et plus on se rapproche de Dieu. Plus on s'éloigne de la faute, plus en fait on est en train de se rapprocher de Dieu. Maintenant, l'essence même de la façon et la manière avec laquelle on doit faire la teshuva, c'est a priori deux extrémités qui sont mises en mouvement. C'est deux mêmes sentiments, et nous le voyons, et c'est assez intéressant de le voir, que le sentiment d'éloignement de Dieu, c'est-à-dire le fait de prendre conscience que l'on s'est éloigné de Dieu parce qu'on a fauté, cela crée de l'amertume et de la tristesse en nous. Cette tristesse-là, elle va complètement à l'encontre, à l'inverse du sentiment qu'on est censé d'éprouver lorsque l'on veut se rapprocher de Dieu.
Et bizarrement, lorsque l'on est dans ce sentiment d'amertume et de tristesse, on crée ensuite un sentiment de joie. Comment un sentiment d'amertume et de tristesse peut créer un sentiment de joie? A priori, c'est totalement contraire. Comment le fait d'être triste et amer, d'avoir fauté, de s'être égaré de la bonne route, ça me donne la joie de me rapprocher d'Hakadosh Baruch Hu? Parce qu'il faut savoir que l'essence même de l'éloignement de Dieu touche le point culminant qu'il y a dans le cœur de l'homme. Tout de suite, l'homme ressent cette amertume-là. Il veut même pleurer pour toutes les fautes qu'il aurait pu commettre. Quand il pleure, quand il sent, ressent cet égarement-là, cet éloignement avec Dieu, alors à ce moment-là, il fait une véritable teshuvah. Une véritable teshuvah, un véritable retour vers Dieu. Oui, vraiment, ces larmes-là vont rincer et vont réparer l'image de Dieu qui est sur son visage. Cette image-là, ce reflet de Dieu, de divinité qu'il y a sur son corps, sur son être et sur son âme qui a été abîmée. Quand l'homme va se souvenir, en réalité, qu'il avait décidé lui-même dans son cœur et dans son plus fort intérieur, qu'il avait décidé de se détacher de la faute et de se retourner vers Dieu, à ce moment-là, véritablement, il prend la décision de ne plus commettre encore une fois la faute qu'il a pu commettre, de ne pas abîmer cette âme-là, de ne pas la salir à travers ses fautes. Il va souhaiter s'attacher, attacher son âme et suivre Hakadosh Baruch Hu et sa Torah. C'est ce que l'on appelle la teshuvah, le retour vers Hachem. Et ça, automatiquement, ça va créer et susciter une joie véritable. Parce que plus on se détache du mal et de cette mort spirituelle quelque part, plus on sort de l'obscurité et plus on voit la lumière, plus la joie s'installe dans le cœur. Réellement, cette séparation-là qu'il y a entre la tristesse et la joie se crée parce que la tristesse a été grande, alors la joie va pouvoir être grande. C'est véritablement ce qui se passe. Quand il n'y a pas de simcha, quand il n'y a pas de joie dans le cœur de l'homme, pourquoi? Parce qu'il s'est créé cette séparation du mal. Lorsqu'il n'éprouve pas véritablement de simcha, quand il quitte le mal dans lequel il était attaché, alors il ne pourra pas prendre conscience de l'attachement véritable qu'il aura grâce à ce détachement du mal et cet attachement du bien. Et si l'homme n'éprouve pas cette joie, c'est qu'en réalité, il est encore attaché au mal. Quand on se détache réellement du mal, de tout ce qui est négatif, eh bien, on rentre tout de suite sous l'aile de la Kedusha, de la sainteté, la sainteté divine. C'est réellement une nouvelle vie. On devient une nouvelle personne. On s'est détaché des énergies négatives et d'impuretés pour trouver des énergies positives et de sainteté. La tshuva, attention, ça ne doit pas être un moment où on doit se morfondre et tellement être triste à s'en faire du mal réellement et à sentir une telle tristesse qui nous amène dans un aimant et un sentiment d'abandon et de détachement véritable. Le sentiment de teshuvah, c'est quelque chose qui doit faire naître en nous l'envie de faire mieux. Si lorsque l'on fait teshuvah, on est tellement amer et tellement triste qu'on se sent totalement détaché de Dieu et que cela nous fait et ça cause qu'en réalité on va faire quelque chose de plus grave ensuite, ça n'est pas une vraie teshuvah. La teshuvah, c'est réellement garder toujours l'espoir qui naît de cet éloignement, de cette prise de conscience d'éloignement de Dieu. Parce que l'essentiel de la teshuvah, c'est de se dire, voilà, je me détache du mal, j'arrête de fauter, je me rapproche d'Hakadosh Baruch Hu, je décide d'abandonner mes chemins qui sont mes chemins premiers, mes premiers choix, je retourne vers Dieu. Et ça, de là, ça fait naître une joie véritable à l'âme. L'homme, il se lève avec une puissance, il se réjouit de pouvoir se rapprocher d'Hakadosh Baruch Hu, et parce qu'il sait qu'il ne tombera plus dans les mêmes fautes qu'il a pu commettre avant. Alors, bien sûr que ça crée une souffrance à l'âme. Bien sûr que réparer les fautes, ça demande beaucoup d'efforts. Oui, mais d'une façon à ce que ce qu'on lui demande à l'homme, c'est de faire cela, mais avec de la joie. Même si ça peut paraître totalement contraire. C'est l'exemple même d'un homme qui doit quitter un endroit pour aller dans un autre endroit. Le fait de se rapprocher de son but, c'est un détachement de son but, de son lieu premier. Plus tu t'éloignes de là où tu étais, et plus tu te rapproches de là où tu vas. Ah oui, mais moi je ne veux pas m'éloigner, je veux juste me rapprocher. Ben, le fait que tu t'éloignes de la faute, tu es en train de te rapprocher de Dieu. Le fait que tu t'éloignes de tous tes égarements, de toutes
tes sources d'impureté, eh bien là, plus tu avances et plus tu te rapproches de la sainteté. Qu'est-ce qui va faire que tu ne vas plus retomber dans la même erreur? Celui qui fait une vraie teshuvah, qui rentre vraiment, qui retourne vraiment chez HaKadosh Baruch Hu, il le fait, en fait, avec joie. Parce que rien que de savoir qu'il a la possibilité de retourner vers Dieu, ça fait naître en lui un sentiment de joie. Il est conscient qu'il sort de l'obscurité. Et ce rapprochement-là fait naître en lui cette joie-là véritable. C'est-à-dire ne pas se concentrer sur la souffrance de l'éloignement, mais se concentrer sur la joie qui est suscitée par le rapprochement qui est causé par l'éloignement du mal et donc le rapprochement vers le bien. Tout cela, cela pourra se vivre lorsque l'on est capable de créer le lien entre les deux. Bien sûr, comprendre cela. Comment est-ce possible de relier ces deux extrémités-là, le top du top de l'amertume face au détachement du mal, ou bien la prise de conscience de l'éloignement qui aura été causé par les fautes, et en même temps le top du top de la joie, c'est-à-dire pourquoi ? Parce que je suis joyeux d'être rapproché d'Akadosh Baruch Hu. Comment ces deux sentiments peuvent être là en même temps ? Alors, nous allons le voir ici, Bezrat Hashem, demain, on verra cette partie-là, comprendre comment en réalité, l'homme, lorsqu'il est conscient réellement de l'étroitesse dans laquelle il a vécu quand il fautait, c'est cette étroitesse-là qui lui donne et qui lui fait prendre conscience de la joie véritable du rapprochement qu'il a avec HaKadosh Baruch Hu lorsqu'il fait teshuvah. Parce que l'un dépend de l'autre. Plus tu vas ressentir l'étroitesse dans ton âme parce que tu t'es détaché de Dieu, plus la joie véritablement va se relier et va te permettre de te relier, te rapprocher d'HaKadosh Baruch Hu. Et cette joie-là, en fait, elle est incluse même de cette tristesse-là face à l'éloignement qui a été causé par ces fautes-là. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour notre Tania et pour notre petite partie du Shaar HaTeshuvah. Je vous souhaite une excellente journée, que vous puissiez vivre ce jeûne-là avec tranquillité et sérénité, prendre conscience, demander pardon à Hachem pour nos fautes, oui, et que HaKadosh Baruch Hu nous envoie le Beit HaMikdash très rapidement. Et comme nous l'avons dit hier dans notre cours, se rappeler bien d'une chose, que la destruction c'est une construction et que le Beit HaMikdash il a été détruit, c'est pour nous permettre de vivre une reconstruction beaucoup plus grande et beaucoup plus belle. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il étende sa grâce sur vous, vos proches, qu'il vous apporte toutes les bénédictions dont vous avez besoin, à l'infini, matériellement et spirituellement, et que l'on se retrouve très très rapidement pour vivre ensemble les mots de Torah sur l'esplanade du Beit HaMikdash avec le Mashiach Tzidkenu. À très bientôt.